Pardon, maman, de ne pas avoir été avec toi, de n'avoir été avec toi qu'un salaud. Ma mère qui nous a quittés il y a de cela si longtemps que je ne saurais point vous dire le nombre d'années. Elle me manque. Le docteur disait d'elle qu'elle était fragile psychologiquement, autant que physiquement. Les médicaments ne faisaient plus leur effet sur ces dernières années. Pourtant, elle était, si vous le saviez, elle était une battante. Voyant le monde en grand, son cœur vibrait de joie et de musique. Yalel, yalel, habibi yalel, 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 habibi yalel. C'était ça sa musique préférée. Sur elle, elle dansait lorsqu'elle entendait, et cela jusqu'à la dernière note, elle dansait. Mes souvenirs s'égarent, cela fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles. Mon étoile a cessé de briller et m'a laissé seul. Elle est enterrée dans un linceul blanc d'une terre aride auprès de ceux qu'elle aime et qu'elle a rejoint. Je ne pleure pas car je la sens plus heureuse qu'ici-bas, malheureuse et souffrante. Une souffrance alimentée par l'intolérance d'un fils médiocre. Pauvre, pauvre mère qui croyait avoir enfanté un ange. Mensonge qu'elle s'efforçait de croire. Nous regardions dans la même direction, mais on ne se voyait pas. Aveugle et sourd fut l'enfant. Cependant, le temps passe. Celui-là même qui brisa l'espoir qu'un jour, ensemble, on pourrait reconstruire une relation sur des bases plus saines, plus solides. De l'espoir, il ne me reste qu'un arrière-goût amer et acide. Tu n'es plus que poussière au moment où je te parle. Maman, m'accorderas-tu le pardon pour avoir été, pour ne pas avoir été à la hauteur de tes sentiments? De toi, j'ai toujours ce présent, cette montre que tu m'as offert et qui a cessé de compter le temps en même temps que ton cœur a cessé de se battre. Je ne cesserai point de t'aimer, maman. Et pour changer, on va le faire un peu du côté de chez moi. Heinz! On a un 9,9. Non, c'est un 9,3. C'est la lumière, excuse-moi, je deviens vieux. On t'excuse. 9,3. Qu'il illumine tout. Et puis 9,3. Ouais. Et puis un petit 9,7 aussi. Ouais, merci. Pour applaudir en lumière. Merci. Pour applaudir ta mère. Une sombre histoire de pommes. Un dieu aurait donné la curiosité aux hommes, mais comme il était, disons-le, un peu tordu, il les tenta avec un fruit offert et défendu. Pour connaître la suite, pas besoin d'être devin. Ils y goûtèrent et s'abattit le châtiment divin. Fini l'insouciance, l'homme trimera pour trouver sa pitance et pour sa descendance, la femme enfantera dans la souffrance. La culpabilité qui bien souvent nous habite repose sur ce mythe et au fil du temps, c'est dans nos gènes qu'elle s'est inscrite. Pour expier le péché de la faute originelle, il faut se conformer à la moralité officielle, courber le dos, être une population soumise, marketing de la peur diffusé par l'Église, détournement de la spiritualité au profit des puissants de la société. Déjà, elle les servait au Moyen-Âge. Tu n'as pas de toi ? Coupable ! Repends-toi et meurs pour ton roi ! Ça va l'épidémie ? Coupable ! Prie et surtout tais-toi, tu n'es pas assez soumis.
Et encore de nos jours, la culpabilité continue ses ravages. Tu n'as pas de travail ? Coupable ! C'est ta faute ! Accepte d'être sur la paille et ne regarde pas les failles d'un système qui déraille. Et si tu vas bosser ? Coupable. Coupable ! Tu coûtes trop cher, ton patron doit délocaliser. Allez, paie tes impôts et fais preuve de solidarité. Tu es malade, handicapé, vieux ? Coupable ! Tu creuses le trou de la sécurité sociale, espèce de pouilleux ! Prends-toi en charge ! La solidarité, c'est fini ! Ouvre les yeux ! Tu penses par toi-même ? Coupable ! Tu fais l'amour ? Coupable ! Tu veux t'amuser ? Coupable ! Et tu es même coupable de culpabiliser ! Et voilà comment nous tous, croyants ou comme moi, païennes, nous subissons depuis des siècles la culpabilité judéo-chrétienne. Et moi ? Qui ne me comporte ni comme une chienne, ni comme une hyène. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais la faire mienne. Et ça fait 2000 ans que ça dure, alors c'est sûr, on a des courbatures. Et si on décidait de recourber les redresser les chines au lieu de suivre tête baissée la ligne, il serait temps de comprendre, et ce n'est pas difficile, que cette culpabilité est utile pour nous rendre dociles. Alors toi, qui sait toujours ce qui est bien et mal, ne m'impose pas ta culpabilité et ta morale. Alors toi, dont les pas sont guidés par un Dieu, ne me demande pas de fermer mon esprit et mes yeux. Ne me contrains pas à obéir par crainte d'un châtiment. Je veux être libre de mes choix. Et moi, j'ai foi en l'homme. Et il se trouve que je ne crains pas les serpents et que franchement, moi j'adore. Mais j'adore les pommes. Chéri, jury, à la pomme. On a un 10, un 10 et un 9,8. Ouais. Et ça veut dire que ta mère est la première femme de l'année.